Bon matin, j'espère que vous allez bien que vous avez bien dormi. Il est 9h, c'est dimanche, on est le 10 juillet. Ah, j'en reviens pas déjà le 10. Là, désolée pour ça, pour la chevelure. J'ai dormi les cheveux mouillés et attachés. En fait, j'ai passé hier la journée les cheveux mouillés puis attachés. Puis je les ai juste replacés un peu vite, puis je les ai laissés attachés, puis j'ai dormi comme ça. Fait que c'est ça que ça a l'air. Ça fait un petit bout que je suis réveillée. Marie-Flore est passée tantôt chercher de la tablette. Je donne tout le temps un petit moment dans la matinée parce que Marie-Flore, c'est quelqu'un qui est hyper, hyper actif. Elle arrête vraiment de bouger, elle arrête jamais. Faut tout le temps l'occuper parce que sinon, elle s'ennuie, elle trouve ça dur. Puis ça, en tout cas, c'est ça. Et c'est ça le moyen qu'on a pour qu'elle puisse prendre du temps pour relaxer, tu sais. C'est-à-dire, puis et pratiquer sa patience parce que c'est pas un enfant qui est très patient non plus. Faut que ça aille comme rapide, faut que ça marche du premier coup, faut que. C'est ça. Ça marche premier coup, puis tout le kit. Puis là, ça fait pratiquer sa patience parce que ces animaux mangent pas aussi vite qu'elle voudrait. Des fois, ça marche pas autant, tu sais, autant vite que qu'est-ce qu'elle aimerait. Fait que ça l'aide aussi. C'est ça. Ça pratique aussi sa douceur et tout le kit. Fait que c'est ça. Fait qu'elle est partie faire ça. Puis en même temps, ça la calme un peu parce que là, elle est enrobée dans sa doudou avec sa grand-maman. Puis, elle se réveille tranquillement. Puis ça laisse un peu les gens aussi se réveiller doucement parce que c'est quelqu'un qui saute partout, puis qui crie partout, puis qui s'énerve partout, ben c'est un peu intense. Fait que c'est ça. Mon papa, lui, est parti à son meeting en présentiel. Et puis moi, je vais faire mon meeting virtuellement, comme d'habitude. C'est le même. C'est le même nom, mais sauf que c'est pas le même groupe, si on peut dire ça comme ça. Sinon, à part ça, ce soir, je vais faire vraiment du ménage à l'intérieur. Hier, je devais en faire, mais finalement, j'ai décidé de me coucher à la place. Voyez-vous? Fait que j'ai pris ma petite pilule pour faire des dodos, puis j'ai dormi. Sinon, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté un vlog de Sylvie. Je vais vous mettre dans la barre d'informations sa chaîne. C'est une Française. Et elle parlait de ses règles à son âge. Parce que, tu sais, j'ai pas 20 ans, moi non plus, hein. On se le cachera pas personne. Et j'ai l'impression que quand t'as 40 ans et plus, tes règles sont un petit peu plus difficiles. Parce que je suis plusieurs personnes qui. Ben, plusieurs. Quelques personnes qui ont 40 ans et plus. Et leurs règles en arrachent énormément. Et moi, ce qu'elle vit présentement, je l'ai vécu avec le stérilet. Ouais. Parce que quand j'ai arrêté d'allaiter Marie-Flore, mes règles sont revenues. Et ouais, c'était ça. C'était très intense. Et on m'a dit, ben, on va te mettre un stérilet parce que ça va t'aider. Puis finalement, moi, c'était ce qu'elle vit présentement. Je vivais avec le stérilet. Et, je me suis mis à lire là-dessus énormément sur le stérilet pendant que je le portais, pendant les quelques mois que je l'ai porté. Puis, ceux qui ont des problèmes, déjà à la base avec l'utérus et tout ça, les ovaires et tout le kit, c'était pas conseillé du tout de porter un stérilet. Parce que ça peut devenir à la longue cancéreux. Fait que, ouais.
Fait que c'est ça, moi, ils ont réglé mon problème en me donnant la pilule, la même pilule qu'ils m'ont donnée quand j'allaitais, qui t'aide à avoir du lait, mais aussi qui te protège en même temps. Fait que c'est ce que je prenais jusqu'à temps que je prenne la décision d'arrêter la pilule. Ça fait pas tellement longtemps que je l'ai arrêtée, honnêtement. Je l'ai arrêtée parce que, la personne avec qui je suis est opérée. Ça fait qu'il n'y a pas de danger que je tombe enceinte. Puis, puis ça fait juste une pause à mon corps. Voilà. Parce que cette pilule-là est pas. est moins. C'est une des moins dangereuses sur le marché, t'sais, pour vrai, là. Elle est comme faite beaucoup plus naturellement, si on peut dire ça de même. Fait que c'est ça. C'est ça que j'ai fait. C'est ce que j'ai écouté à date. Puis là, ben, je vais regarder ma playlist. T'sais, je suis abonnée à sa chaîne, mais elle m'a envoyé le lien. Elle me présente des personnes qu'elle suit. Et j'en faisais partie de la liste. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur des chaînes que je suis, c'est mon top 10 de chaînes que je suis. Puis, je vais essayer de trouver des chaînes qui sont pas, excusez, mon Dieu, une drôle de voix le matin, qui sont pas, comment je dirais bien ça? Pas offusquer personne, là, mais qui n'ont pas 100 000 abonnés, tu sais, qui n'ont pas 1 000 abonnés, là, qui n'ont pas, sont pas rendus encore là, là. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire, parce que j'en suis quand même beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense faire ça, peut-être ce soir, pour présenter leur chaîne et tout ça. Ce soir aussi, je vais faire du ménage. Mon Dieu, je vais prendre une petite gorgée, je pense. Bon, je devrais survivre. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ça, ce soir, je vais faire du ménage aussi parce qu'il fait beau à l'extérieur. Je vais profiter beaucoup de l'extérieur aujourd'hui. Demain, retour au travail. Puis, c'est ça. J'en ai pas, on est 10. Il reste exactement pile aujourd'hui 10 jours avant la date de mon examen. Puis oui, ils disent de pas en parler qu'on passe notre examen, mais moi, ça me stimule à le réussir. Fait que, voilà. Ce matin, c'est ce que je vais faire. Cet après-midi, ma maman est censée aller faire des commissions. Que je vais peut-être aller avec eux. Puis je vais peut-être aller peut-être conduire peut-être ma Flore ou je vais venir la chercher ce soir. C'est ça. Cette semaine, je vais travailler sur mes trucs budgétaires parce que je me suis rendu compte dans tout ce que j'ai. J'ai pas besoin d'autant que ça. En fait, je sais pas c'est quoi qui prend le plus de place dans mon cartable. C'est l'agenda complet ou des affaires que. Fait que là, je suis en train de faire ça. Puis je suis en train de travailler en même temps sur mon guide budgétaire. Puis c'est ça. Fait que voilà. Fait que là, je vais aller écouter mon meeting qui commence à 10 h. Puis c'est donc parce que maintenant, il y a plus de français maintenant qui vient sur les plateformes québécoises. Parce qu'évidemment, l'alcool touche toutes les frontières. On ne le cachera pas, là, que tu sois au sous là. C'est un problème d'alcool, c'est aussi ça. Fait que c'est ça. Je vais faire ça. Puis lundi, j'ai mon live aussi sur Instagram. Là, c'est vrai. Parce que je m'étais dit que j'allais faire ça vendredi, mais ben, je pouvais pas. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, on se reparle un petit peu plus tard. Puis je vous souhaite un bon matinée. Une belle matinée, mon Dieu. Ou une belle soirée, dépendamment de quelle heure vous écoutez ça. Ou une belle nuit, on sait jamais.
Fait que on se reparle un peu plus tard, puis on passe la journée ensemble, profiter du beau temps, puis on se reparle tantôt. Salut tout le monde! Il est rendu 1 h et quelque chose. On a dîné. Je me suis changée. Marie-Flore, elle ne s'est pas changée, évidemment. Non, mais moi, je joue à un jeu, mais très compliqué pour moi. Et très compliqué pour moi. Si vous jouez à ce jeu, demandez à votre maman de vous aider. Parce que ce jeu est très, très dur pour moi. Ça me fait penser un peu à Candy Crush, on peut dire ça de même, là, pour enfants. C'est quoi Candy Crush, maman? C'est à peu près la même affaire que tu fais présentement. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller faire chauffer du café parce que j'ai le goût de boire du café. Je vais aller voir ma maman. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ce qu'on a fait à date. J'ai retiré le matelas par terre. Puis là, je vais ranger un petit peu la chambre. J'ai téléphoné à Benoît. Ce soit en gros ce que j'ai fait à date. Et là, j'ai un poil qui me gosse ici, mes amis. Ça, je le retire, je sais pas. Il me gosse personnellement. Fait que, ben, c'est ça. Nous, on continue notre journée. Puis, on va aller dehors. On va faire. Ah oui, c'est vrai, mais avant que je fasse les ongles aussi. Fait qu'on va choisir nos couleurs tantôt. Et moi, tu sais, c'est quoi ma couleur préférée? Non? Devine, t'as 4 chances. Le rose. Oui. Et l'autre? Il y en a 2. Le rouge. Non. Tu restes 3 chances. Le bleu. Non. Le violet. Ah. Toi, c'est le violet. Oui. Et mon animal préféré, c'est quoi? Le beau. Les licornes. Ah, ben oui, c'est vrai. Excusez. J'ai oublié. Hey, vraiment une gosse, là, sérieusement. Il fait pas dans le décor aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que on continue notre journée. Puis on va faire nos. Non, enlève-les pas. Fait que on va starter notre journée. Puis il faut que j'essaie de trouver la manette de la télé que j'ai ici. Sinon, je vais être obligée d'en commander un autre. Fait qu'on se reparle bientôt. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai jamais la tablette. Ouais, en attendant qu'on fasse les ongles et qu'elle aille jouer avec sa grand-maman. Fait qu'elle, elle a choisi rose, mauve et bleu pour les ongles d'orteil. Et là, elle a choisi c'est comme un tigre. Ça pour les ongles de doigts. C'est pour le tigre, il y a même des petits couleurs. Fait que c'est ça. Normalement, le tigre a 2 couleurs, mais à l'autre, j'ai rajouté des paillettes. Puis là, elle arrête pas de bouger, fait que la lampe, elle se connecte. Puis oui, j'ai pas fait le ménage, fait que je vais faire le ménage tantôt. Demain, c'est ça. Ben, je vais faire ça ce soir, vu que Marie-Flore s'en va vers 7h30, 8h. Fait, je vais faire ça tranquillement ce soir. J'ai pas grand chose à faire. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais me faire les ongles. Moi, j'ai sorti mon kit de Lucky Brush. Mais maman, mais maman. Merci. Fait que moi, j'ai choisi. Elle a choisi le vernis rouge comme ça de Lucky. Ce que j'aime de ce vernis-là, c'est un 3-in-1. Fait que t'as pas besoin de faire comme ceux que j'avais achetés. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté beaucoup de cette marque-là. Que j'aime beaucoup. Mais que c'est ça, ça prend une base, un top coat et tout ça. Tandis que ça, ben, il est tout compris. Fait que c'est ça. Puis, ben, j'en ai plein qui sont comme un peu pâteux et tout ça. Fait que je vais m'en aller vers vraiment toute cette gamme-là. Parce que j'aime beaucoup leurs produits. Pas que j'aime pas l'autre marque. Pas que j'aime pas les Angel. Mais ça, je vais m'en aller vers ça. Fait que là, elle a choisi une couleur en plus néon. Parce que c'est le orange néon. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'est ça, on termine ses ongles, puis je vais vous reverrer de bord pour qu'elle puisse vous dire ce qu'elle a à dire. Est-ce que vous... Salut! Il est rendu 6h38, pas loin de 7h. J'ai décidé de prendre une petite pause dehors pendant que Mère Flore mangeait. Ouais, ben c'est officiel, la nouvelle est tombée. L'ancien chef des Hells Angels est décédé de son cancer de la gorge. C'est une nouvelle que je savais depuis un petit bout de temps qui était
à l'infirmerie de l'Institut à Sainte-Anne-des-Plaines, qui allait vraiment pas bien. Je veux juste dire, par rapport à ça, puis je sais pas si ça se dit ou si ça se dit pas, mais là, regarde, bon, je suis rendue, puis de toute façon, vous me connaissez pas mal. J'endosse pas tant ce que les Hells Angels ont fait sur les gens, c'est-à-dire des meurtres, des viols, de tuer des gens, de violer des gens. Ça, j'endosserai jamais ça. Par contre, ce que j'aimais de cette personne-là, c'est sa façon de... Il n'y avait jamais de problème, il y avait toujours des solutions. Sa prestance, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de prestance. Ça, je sais que je ferais peut-être plus l'unanimité en disant ça parce que je sais que les gens, en ce moment, ils doivent être heureux et joyeux qu'ils soient décédés. Mais je vous rassure, il est mort dans une souffrance atroce que c'est ça. Fait que voilà. Fait que oui, j'étais un petit peu... oui, je m'en attendais parce que je savais que ça faisait quand même un petit bout de temps, mais on ne s'attend jamais à ces choses-là dans la vie. Le décès de quelqu'un, peu importe c'est qui, on ne s'en attend jamais. Même si on le sait, on ne s'en attend pas. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait les ongles à Marie-Fleur, j'ai fait les miens aussi. Sauf que j'ai pas mis de prothèse, là. J'ai juste mis la vernis au gel. J'ai mis le vernis au gel. Fait que Marie-Fleur, il me reste ses doigts à faire, mais là, ça me tentait comme tout le temps. Puis, Marie-Fleur a un bobo sur un doigt. Puis, je veux pas que ça s'infecte non plus en mettant du vernis au gel dessus. Fait que je vais attendre qu'il y ait ressuscité. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que sinon, dans l'ensemble, j'ai quand même passé une super belle journée avec Marie-Fleur. On a fait beaucoup d'activités ensemble. On s'est amusé énormément avec ces jeux, même si je comprends rien, pas en tout. Fait que c'est souvent en gros. Fait que là, ben, elle est en train de manger avec ma mère. Puis, c'est ça. Moi, je fais une petite pause à l'extérieur. Je vais me faire du café tantôt. Ça va me faire du bien. Je vais commencer mon ménage aussi. Fait que c'est ça, en gros, ce qui s'est passé depuis qu'on s'est parlé. Fait que c'est ça. Je pense que je vais conclure mon vlog comme ça. Demain, je devrais vlogger cette semaine. Puis, c'est ça, je devrais vlogger cette semaine. Puis aussi, filmer mes vidéos sur le budget. Aussi, ben il faudrait que je remplisse mes enveloppes là. Parce qu'à part d'un défi qui va super bien, j'ai pas rempli aucune enveloppe. Fait que c'est ça, demain, je vais essayer peut-être de vous traîner un peu plus avec moi cette semaine. Là, c'est fou, j'ai des petits fils qui sont pas contents parce que je suis comme proche. Ils veulent la paix, tu sais. Fait que sur ce, ils ont vraiment des belles fleurs. Moi, ils sont jaunes, puis eux, ils sont comme oranges. Ils sont vraiment belles. Il y en a des petites mauves, là. Fait que, c'est ça. Fait que, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De vous laisser un commentaire dans la barre de commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ben gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Fait que, sur ce, moi, je vous souhaite... un bon début de semaine, puis on se reparle à quelque part durant la semaine. Fait que je fais des énormes bisous. Bye bye tout le monde!